Laurent Coubi, je vous présentais au départ du quintet Vicky Herold ce vendredi, une Vicky Herold qui n'a pas pu se montrer à son avantage à la Capelle. Que s'est-il passé? Bah, la Capelle était fortement gênée en partant, donc elle n'a pas couru. Elle a pas couru parce qu'il y a un concurrent qui a fait la faute et qui s'est jeté dans nous. Donc on avait une roue accidentée et elle n'a pas couru. Bon, de ce fait-là, elle n'a pas couru, pas effectué de vrai parcours depuis un petit moment maintenant. Ouais, exactement, ouais. Après, elle n'a jamais été arrêtée plus que ça. Maintenant, tout ça, cet âge-là, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est plus dans la tête que dans le physique. Dès lors, c'est à 100% qu'elle se présentera au départ de ce quintet? Ouais, à 100%, mais je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit à 200%, vu l'eau qu'il y a. Donc, non, elle était depuis une petite. Ouais, avant le coup, avec les plus jeunes, les 6 ans et les mâles, ça paraît pas évident. Bah ouais, maintenant, elle a 7 ans, elle se retrouve à courir avec des chevaux plus jeunes. De qualité, non, ça devient compliqué pour elle. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à l'arrivée? Un parcours sur mesure, faut courir dans la corde, et voilà, si ça se passe bien, prendre un petit chèque.